Salut à toi et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo où je te présente mes vieilles créations et on termine avec mes petites scénettes, maquettes, comme tu veux. Bref, voilà. Donc ça fait des années que j'en fais plus maintenant, donc toutes celles que tu vois là, étalées sur mon lit, elles datent de 2013 et 2014. Donc c'était il y a très 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 longtemps. Parce que je le rappelle, avant de faire des bijoux, et ben, je faisais beaucoup des petites scénettes comme ça. Ça m'amusait beaucoup plus. Bref, on s'en fout. Donc vu qu'elles étaient au fond du carton, pour la plupart, elles sont toutes complètement écrasées, écrabouillées, bah détruites quoi. Elles ressemblent plus à grand chose maintenant. Donc je commence tout de suite avec la toute première, vraiment la toute 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 première. Et il s'agit de cette petite mademoiselle sur une balançoire. Donc la pauvre, elle est démembrée, décapitée, elle est, bah il y reste plus grand chose quoi. La balançoire est toujours debout. Mais bah il n'y a plus que sa jupe qui traîne parce qu'elle a même plus de jambes. Elle a plus de bras. Et puis bah elle a été décapitée. Enfin décapitée c'est la tête. Mais voilà. T'as compris ce que je voulais dire. Et à mon avis, elle va encore souffrir avec Mademoiselle Cara. Hein? T'aimes bien tout détruire, toi ici, vilaine. Bon bref, voilà du coup. C'était une toute première. Et j'en étais fière de cette création. Oh, je la présentais à tous les concours, parce qu'à l'époque, je faisais que plein, plein, plein de concours. Et elle, je la présentais à chaque fois. Tellement que j'étais contente. Ensuite, je présente pas forcément dans l'ordre, parce que je me souviens plus exactement non plus, hein, je suis un peu à l'ouest. Bref, j'ai celle-ci qui s'est tordue, elle a pris un mauvais pli dans le carton, et c'était avec ma fameuse petite table et la chaise, celle que je t'avais présentée dans une autre vidéo, tu te souviens? Et bah, elle allait avec, je sais plus dans quel sens c'était, mais ça correspondait bien. Bon, il y a l'arbre qui a été décapité aussi, parce qu'il était censé être là, comme ça. Il est tordu, dis donc, mon arbre. Bizarre. Et à l'époque, bah, je me faisais pas trop chier à faire les fleurs et j'utilisais des cannes fleurs déjà toutes faites. Mais bon, j'ai quand même réalisé une petite porte féerique et un petit lapin avec sa carotte. Il y a les petits champignons, il y a tout, tralala. Et ça, c'est pareil, je le présentais à beaucoup de concours. En fait, à l'époque, je présentais que des scénettes pendant les concours. Pour une fois, le lapin, il n'est pas décapité. C'est bien ça, il a encore toutes ses oreilles. Bon, la porte a été déjà recollée. Et la texture de l'herbe, je ne la fais plus du tout comme ça. Là, en fait, je faisais ça à l'arrache. Et l'arbre, il n'était même pas travaillé de l'autre côté. Et la table est un peu disproportionnée, non? Ou c'est moi? Bref, la scénette suivante, c'est celle-ci. Qu'elle a bien souffert aussi, celle-là. Il y avait un arbre qui était là, qui est tombé. Ouais, ça doit être comme ça. Et là, il y avait un kiosque. Pareil, il est cassé. Il manque deux poteaux. Bref, du coup, c'était un petit peu comme un espèce de petit jardin féerique, avec une petite rivière et son pont. Oh bah, même lui, il est cassé. Ah, bon tant pis, l'arbre il est tombé encore. Et ça c'est pareil, je le présentais à plein de concours. Inutile de chercher les vidéos où j'ai participé à des concours, elles ont toutes été supprimées. Pas par moi, non. À l'époque, je pense que c'était de la jalousie, j'en sais rien, parce que honnêtement, sans vouloir me vanter, bah, je gagnais plein de concours. Et toutes mes vidéos concours ont disparu, comme ça par magie, j'en sais rien. J'ai été piratée, on m'a supprimé toutes mes vidéos concours, pour que j'arrête de gagner. Bref, ça c'était une mauvaise époque. On m'avait supprimé aussi des vidéos tuto, des vidéos. Plein de vidéos, plein, 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 mais principalement les vidéos où je participais à des concours. Vive la jalousie. Alors que j'avais rien demandé à personne. C'est pas de ma faute si je gagnais les concours. Ensuite, on retrouve ma petite fée. Et pareil, elle a pris un très mauvais pli dans le carton, elle est toute tordue. C'était une petite fée qui joue de la harpe. Et normalement, elle avait les grandes ailes bien, bien droites. Mais ouais, là elle est toute tordue. Normalement, ça c'est des belles fées, des belles grandes ailes comme ça. Et le pupitre, il était bien droit aussi. Mais bref, tout est tordu maintenant. Donc ce que m'a fait, bah, il lui manque un bras en spaghetti parce que l'autre il est là et il est en spaghetti. Et ouais, elle est cassée au niveau des jambes. Les jambes à chaque fois ça prend cher. Hein. Et donc ouais, elle était assise sur un espèce de petit banc original. Enfin en fait le banc est rejoint par la harpe. Je sais pas comment dire. Tu vois, ça faisait voilà. Le banc était la harpe. C'était un 2 en 1. Donc ouais, à chaque fois, de toute façon, toutes les petites scénettes qui sont là, je les présentais à des concours parce que j'étais contente de moi. Ensuite, j'ai une petite souche d'arbres féeriques qui est cassée de tous les côtés. Parce que ça faisait vraiment un beau tapis d'herbe, de mousse et de tout ce que tu veux. Mais là, bah, tout est cassé.
Et bah, ma petite souche d'armes, elle est encore en vie, sauf qu'à l'origine, il y avait un papillon et un oiseau qui étaient dessus. Mais bah, ils ont disparu. Il reste encore quelques papillons autour. Deux. Ouais, il n'y a plus que deux papillons, dont un qui est cassé. Mais il y en a un, il y avait beaucoup plus que ça. Et en fait, celle-ci, cette petite souche d'armes, elle était présentée dans une cloche en verre. La cloche est cassée. Parce que je suis très maladroite. Et pour cette création-là, je m'étais inspirée d'une photo que j'avais trouvée sur internet. C'est très moche à l'arrière, hein. Toute la souche d'armes était faite en papier d'alu. Ensuite, j'ai cette petite fée-là. Elle, bon, elle, pareil, elle est tombée malade. Et normalement, elle avait des ailes. C'était des plumes, les ailes, mais c'est pareil, elles ont cassé. Bref, je m'étais amusée à faire sa jupe, enfin sa robe. Elle était pareille, en papier d'alu. Économie. Et voilà, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Et oui, je l'ai dit, oui, elle était sous une cloche, et pareil, la cloche, elle a cassé. Un de mes chats l'a fait tomber. Bravo. Il y avait un petit lapin qui a plus de tête, et un écureuil qui a plus de tête non plus. Et un petit zozio, et plein de petites fleurs tout autour. J'avais passé un temps fou, je m'en souviens, sur la robe, c'est hallucinant. Ensuite, là-bas, c'est en deux parties. Oh, on a été loin. C'est ma maison des Schtroumpfs. Bon, là, il y avait une arche qui était là, normalement, mais elle a cassé aussi. Et le poteau où il y a marqué The Smurf House, la maison des Schtroumpfs, qui était par là, mais qui a cassé aussi. Donc ça, c'était le devant de la maison, un petit jardin. Pareil, hein, les fleurs, elles étaient en... c'était des cannes fleurs déjà toutes faites. Et des espèces de petits champignons et des petits arbustes, je sais pas exactement. Une barrière qui fait même pas tout le tour. Et là, devait y avoir autre... Ah oui, j'avais fait un schtroumpf assis sur un champignon, je m'en souviens. Bah, il a disparu. Et donc ça, c'était la maison des schtroumpfs. Et il y a un petit schtroumpf à l'intérieur qui tient un livre. Il y avait un truc d'écrit dessus. Base de Smurf. Il était mignon, petit schtroumpfé. Ça va, hein? Bon, le pantalon, il est pas rattaché au corps, mais bon, c'est pas grave. Et donc, bah, j'avais la petite porte des schtroumpfs, hein. La petite porte. Ah bah, elle s'ouvre pas très bien. Elle est bloquée là. Et à l'intérieur, j'avais tout fait correctement et il n'y a plus rien. J'avais fait un vrai petit salon à l'intérieur, mais ben, il n'y a plus rien. Il reste un vase et une table. C'était un bureau, je crois. Et il y a encore un petit livre. Et là, j'ai une petite table avec un vase. Mais ça, je crois que je te l'avais montré dans une autre vidéo. C'était ma maison des Schtroumpfs. Et en plus, c'est même pas. Le mur a un souci, je crois. Bon, elle s'est tordue aussi. Parce qu'elle a pris une mauvaise forme. Parce que normalement, c'était bien rond. J'avais fait les choses bien, bien rond. Mais ça ne l'est plus. Voilà. C'était la maison des Schtroumpfs. Ensuite, celle-ci, c'était le carrosse de Cendrillon. Tu sais, dans les autres vidéos, je t'avais présenté les roues du carrosse. Bah là, il n'en reste plus qu'une. Et elle est toute tordue. Mais c'était sinon le carrosse de Cendrillon. J'avais galéré à faire ça. Oh, le truc de dingue. J'avais passé un temps fou. Donc, normalement, elle était sur ça. Le carrosse était là-dessus. Et là, c'était un lampadaire. Mais bah, il n'y a plus rien. Mais oui, j'avais essayé de faire les choses correctement, mais c'était galère, un truc de dingue. Et il me semble qu'il y avait aussi la Cendrillon qui était quelque part par là, à côté du carrosse. Bah voilà, il n'y a plus que le carrosse en piteux état. Ensuite, celle-là, je crois que c'est celle qui a le plus douillé. Parce que déjà, elle a plus de, j'allais dire de coffre, non, de toit. Le toit, il a sauté. Impossible de retrouver, il a dû partir en pièces. Et puis pareil, les murs, ils sont dans un sacré triste état. Et en fait, c'était censé être la maison de la fée Clochette. Mais il reste plus grand-chose de la maison de la fée Clochette. Il y a quand même la porte, ce qui n'est pas rien. Et pareil, à l'intérieur, normalement, j'avais fait un petit salon avec plein de meubles. Mais bah, il n'y a plus qu'un lampadaire et la moitié d'une chaise. Pourtant, je l'aimais beaucoup celle-ci. Hein. J'avais passé pareil un temps fou. J'étais contente du résultat. Et bah non, loupé. T'es café. J'ai retrouvé un peu de mobilier. Je sais plus de quelle maison elle provient. Ça, c'était de la petite scénette printanière. Là, c'était une petite table. Encore une autre table. Oui, il manque deux pieds. Là, il y avait une chaise aussi. Et un fauteuil. Mais je sais plus d'où est-ce que ça vient.
il n'en reste plus que 3. Donc je vais faire avec celle-ci. Attends. C'est ma toute première photo que j'ai postée sur mon compte Instagram. C'est la toute première. Et c'était une petite scénette sur le thème de Harry Potter. Donc t'as Harry qui est sur son bureau en train de travailler. Il y avait une petite plume normalement là, dans l'encrier. Mais il y a Dobby qui est un peu bizarre, qui espionne Harry à travers le mur. Enfin, il est caché derrière le mur. Il y a Edwige, la chouette. Il y a une petite bibliothèque. J'avais le Nimbus de miel aussi, qui était accroché au mur. Le Choixpeau, celui qui te dit dans quelle maison tu vas aller en début d'année. Et le petit vif d'or qui était planqué sur l'étagère. Bon, là, il est tombé. Bref, voilà. C'était ma toute première scénette que j'ai postée sur Instagram. Et j'étais contente de moi. Et je pense que si je montre ça à ma fille, elle va vouloir me la piquer. Je vais lui mettre de côté d'ailleurs. Même si c'est pas très joli. Hein. Honnêtement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je pourrais faire mieux. Mais pour l'époque, hein, ça va. C'est pas mal quand même. Hein. Ensuite, celle-là, je l'ai fait en tuto sur ma chaîne. Et normalement, il y a encore le tuto. Pas de conneries. Donc c'était la maison de l'automne. Il y avait une petite fée qui faisait de la balançoire. Mais elle s'est cassée. Non, tu tiens? Ouais, elle tient. Moi, la porte, elle tient plus par contre. Et à l'intérieur, là, normalement, il y avait une fausse bougie. Tu sais, les petites bougies à LED. C'est pour ça qu'il y a un petit trou à l'intérieur. Parce qu'en fait, t'avais la petite LED qui sortait ici. En haut, j'avais recouvert de fausse mousse pour pas qu'on voie la bougie. Et en fait, quand tu l'allumais, bah, ça éclairait toute la maison à l'intérieur. Voilà. Et là, il y avait un petit tapis de feuilles devant l'entrée. Et c'était la maison de cette petite fée. Alors c'est pareil, c'est un petit peu disproportionné. Parce que la petite fée, elle est vraiment toute petite comparée à ce qu'il y a à l'intérieur. La jolie petite porte. J'avais carrément mis une petite charnière, hein, mais elle a pas tenu. Et donc à l'intérieur, cette fois-ci, tout est resté en bon état. Plus ou moins. C'est pareil, il y a un petit salon. Enfin, un petit salon. Non, parce que là, en fait, là, c'était un lit, il y a une table de chevet, un bureau et un fauteuil. Et on voit à travers la porte. Avec la dernière, c'était ça l'est toujours, la maison du dessin animé là-haut. Tu sais, la petite maison qui s'envole avec les millions de ballons. C'est le film là-haut, voilà, le dessin animé là-haut. Un dessin animé qui m'a vraiment beaucoup bouleversée, moi personnellement. C'était vraiment très touchant comme film. Donc du coup, voilà, j'avais fait la maison de là-haut, sans les ballons, parce que je savais pas comment faire les ballons, mais on s'en fout. Et du coup, en fait, ça servait de bougeoir. J'avais recouvert tout l'intérieur de papier d'alu pour pouvoir mettre une bougie à l'intérieur. J'avais essayé de refaire la réplique exacte, plus ou moins. Et c'était très très long. Bah de toute façon, tout ce qui est scénette, c'est un... tu passes plusieurs jours dessus, quoi, t'as pas le choix. Il y a les petits escaliers, et il y avait aussi les escaliers à l'arrière. Et voilà pour la maison de là-haut, de Monsieur Carl Fredrickson. Oh, je te dis une bêtise. Il manque une création que je t'ai pas montrée, mais que je peux pas te montrer parce que ma fille me l'a piquée et que j'arrive pas à la retrouver, je sais pas où elle me l'a foutue. Bref, j'avais aussi réalisé la tour de la princesse Réponse. Parce que je l'avais déjà dit plusieurs fois dans les autres vidéos, Réponse, c'est un de mes Disney préférés. Après la fée Clochette sera toujours numéro 1.
Et ouais, j'avais réalisé la tour de réponse. Et c'est un tuto qui avait fait quand même pas mal fureur sur ma chaîne YouTube. Mais bon, je sais pas. Là, pour l'instant, j'ai pas retrouvé. Je sais pas où elle me l'a foutu. Alors si je retrouve, et bah je te montrerai quelques images. Et sinon, bah tant pis, il reste le tuto. Donc du coup voilà, j'en ai fini avec cette cinquième et dernière vidéo de la présentation de mes vieilles créations. Et là, c'était sur le thème des scénettes, maquettes. J'en ai eu encore plusieurs, hein. J'en ai encore plein d'autres, mais malheureusement, bah, elles sont parties à la poubelle parce qu'elles étaient carrément... Mais pire que là, elles étaient encore plus cassées que celles que je t'ai présentées là. Alors imagine. Ce fut à chaque fois des vidéos très longues, mais comme je l'avais dit, j'avais énormément de créations à te présenter. Alors tu m'excuseras, hein. Je sais, j'ai bien remarqué que ça te faisait chier à la fin. Mais bon, voici, là c'est la dernière, donc je t'embêterai plus avec tout ça. C'est terminé. Donc dans tous les cas, eh bien, j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, comme à chaque fois. Et en attendant, eh bien, moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Piquer des vieux bijoux, c'est le moment ou jamais. Je crois que Luna l'a rien entendu, ses petits achats. Elle est cassée, celle-là, j'adore. Si tu veux récupérer des vieux bijoux, c'est le moment. T'as tout ça? Oui. Il n'y en a qu'une que ça intéresse vraiment, finalement. Okay. Vas-y, fais tes petits achats. Après, tu me donneras un billet de vin. Non, je déconne, bébé. Toutes les choses que j'aime pas, elle adore. Elle prend tout pendant que tu y es, hein, c'est ça? Non mais Jade, t'es sérieuse? C'est trop beau. Ah, je me souviens, j'avais joué avec. Non. Je crois qu'elle s'est fait plaisir là. Ça va, t'en as pas trop pris? Bon, bah comme ça, moi j'ai de la place dans mon carton maintenant.